Mais non, mais c'est pour vous dire d'arrêter de flipper avec tout ça, parce que tous ces mecs qui nous bassinent avec l'insécurité, c'est les mêmes mecs qui disent que la France était mieux il y a 50 ans, que les rues étaient plus sûres, que les jeunes étaient plus polis, qu'il n'y avait pas de tags sur les murs. Voilà, ça c'est un bon exemple, les tags. Je suis désolé, ça existe depuis toujours les tags, c'est vieux comme le monde. Ça date de la préhistoire. À l'époque, dans la grotte, les mecs ils peignaient sur les murs, c'était déjà des tags. D'ailleurs, si ça se trouve, un buffle, un mammouth, une main, ça voulait dire nique la police, on n'en sait rien. Moi, je suis fasciné par cette période de la préhistoire parce que c'est l'époque à laquelle tout allait beaucoup plus vite. Ça, c'est génial quand il pense quand même. Tu sais, l'espérance de vie, c'était 16 ans. Fallait que ça speed. Les gars, ils dormaient 10 minutes par nuit, pas plus. Les bébés, une heure après l'accouchement, ils partaient à la chasse. À 8 ans, tu faisais ta crise de la trentaine. Si à 10 ans, t'étais pas marié, t'avais pas de gosse, t'étais considéré comme un mec très louche dans la grotte. Pas de temps à perdre, la vie est passée comme ça. Tu vois, Crahuc. Crahuc, c'était le Michel de l'époque, c'était très répandu. J'ai 15 ans, j'ai bien vécu, Dieu merci. Mais là, je sens que c'est la fin. Il y a des signes qui ne trompent pas. La petite moustache, les boutons sur la gueule, tout ça. J'en ai plus pour longtemps. Mais bon, ça va, la vérité, j'ai fait une belle vie. Je viens de marier mon fils de 8 ans. Attention, gros mariage, hein. On avait loué la grotte du Pré-Catelan. Il était sapé de folie, costume en peau de cougar sur mesure. Buffet de mammouth à volonté, ils ont bouffé comme des yinches. Il y avait du guest de partout, du people. Tu sais qui c'est qui est passé à la fin? Raon. Et il est resté 5 minutes, mais bon, pour les gosses, c'est toujours un kiff. Qu'est-ce qu'on s'est marré, putain, quelle belle soirée. Il y avait Chabal. Un déconneur, ce Chabal, je te jure. J'ai toujours peur qu'il soit là. C'était court le spectacle, t'es sorti déjà au bout d'un quart d'heure? Bah ouais, s'est fait péter la gueule par Chabal. Puis il l'a mangé. Heureusement que l'espérance de vie c'est plus 16 ans aujourd'hui, parce que sinon j'aurais passé les 4 dernières années de ma vie à m'éclater les boutons. Et à écouter Tokyo Hotel. Un problème les gars? On peut en parler 2 secondes? On peut débriefer 5 minutes sur la gueule à Tokyo Hotel. Moi, je pense que vous êtes venu ici ce soir aussi pour évacuer les problèmes. Tokyo Hotel ? Tokyo Hotel ? On parle des mêmes gars, là ? La révolution allemande ! Oh, les gars ! Par les douches de Mansour, oh, de l'amour, je suis en scotch. Je suis désolé, j'ai pris espagnol. It's coming in its Arctic hand. Touche tes mains. Attendez, excusez-moi. Oh là là. Allô? Oui, maman, oui. Ben, on est à Bercy, là. Ben, tout le monde me regarde. C'est très gênant. Ben non, mais enfin bon, tu peux dire ce que tu veux, c'est quand même gênant, et c'est tout ce que j'ai à te dire, maman. Déjà, si je t'avais prévenu, si je t'avais prévenu, j'avais mis un post-it sur le frigidaire. Je m'en souviens très bien. Et d'ailleurs, quand j'ai ouvert le frigidaire, j'ai remarqué qu'on n'avait plus de schnackers. Faudra peut-être en racheter. Hein? Oui, non, ça se passe très très bien, ils sont très gentils, vraiment, tout est impeccable. Je t'aime aussi, maman. Tokyo Hotel. Respect, quand même, Freddy. Attention, je vais pas me moquer d'eux. Respect hein, pour les petits gars, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas un groupe allemand qui a pété de manière internationale. Hein. Ça fait longtemps que les Allemands, ils galèrent tout seuls dans le monde avec leur musique. Hein. Depuis Scorpion, il n'y a personne qui a pété là-bas, de toute façon. Donc, respect. Ils ont vraiment fait halluciner tout le monde, ces petits gars. Non, pas tout le monde. Je vous dis une connerie. Ils n'ont pas fait halluciner le grand-père d'un pote.
85 ans. Un samedi matin, depuis sa maison de retraite, il est tombé sur le Hit Machine. Bon, bah déjà, quand il a vu Charlie et Lulu, il a pris un coup dans la gueule. Puis après, quand il a compris que Tokyo Hotel, c'était des Allemands, ah, il a pété les plombs. Il a rappelé son ancien collègue de la Résistance. Marcassin. Marcassin, tu m'entends? Marcassin, ce téléphone n'a pas de fil. Ici, Lièvre. Lièvre. Mauvaise nouvelle, copain. Ils sont de retour. Et ils sont déguisés en gonzesses.